Salut à tous, suite de notre aventure dans Back 4 Blood, on termine enfin le tout premier acte. Mauvaise graine, partie 4, premier chapitre. Alors, on est toujours en pénombre, l'électricité est coupée dans la majeure partie de la région, seules les alarmes des portes de secours restent actives. Oui, et encore un peu d'électricité pour nous embêter. Ensuite, trouver et apporter le récipient d'échantillons vers la fin du niveau, si on y arrive, on aura 50 unités de cuivre. Et enfin, les colosses peuvent subir une grande quantité de dégâts, n'arrêtez pas de bouger et ne les laissez pas s'approcher, ils vont être encore plus dangereux. Alors, cette deux cartes... J'aime bien avoir plus d'endurance, mais ça j'aime bien. Plus 5% de dégâts, 50% de pénétration. Alors qu'on voit toutes les cartes qu'on a acquises avant sont sauvegardées. Les infestés sont de plus en plus nombreux vers Finlayville. Et je pense savoir pourquoi. On a découvert ce qu'on pense être un point d'incursion d'infestés majeurs dans la vieille Blue Dog Mine. Pélissaro y a conduit une équipe. Lors de leur dernière transmission, ils approchaient de la mine, mais faisaient face à des forces importantes. On aurait pu s'en occuper. Pourquoi ne pas nous avoir contactés? Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui suive les ordres. Il me fallait des gens expérimentés, capables de s'adapter à la situation. Il me fallait des gens fiables. Vous voulez regagner ma confiance? Découvrez ce qui leur est arrivé et scellez Blue Dog Mine. Le système de progression et d'arrêt pour reprendre où on en est plutôt bien fait. Ça, c'est une très bonne. Je sors. Ouvre la voie. Pas de soucis, je me sacrifie pour. Oh, il y a un boomer. J'ai vu. Copain sort. C'est grosse pustule. Ouvrez-moi, je recharge. Oula. On va y aller à la hache parce que la visibilité est nulle. J'aime pas ça, j'ai peur qu'il y en ait qui me saute dessus. J'ai eu l'impression de frapper un chiot quand j'ai dit à Hoffman qu'il viendrait pas. J'ai même pas envie d'imaginer ce qui se passe dans sa tête. Oui, c'est pour moi. Vraiment la merde cet endroit. Traverser la campagne à pied vous fera gagner du temps. Ouais. Espérons que vous pourrez revenir avec Pélissaro et le reste de son équipe. Oh là là. En charge. Est-ce qu'il est parti lui? Oui. En PLS ou quoi? J'ai bugué. Si c'est bon, les revenus. On est passé tellement vite de tout à rien. Ça sert à rien de se lamenter, chérie, je t'assure. Il
C'est l'un des points forts du jeu, moi je trouve, les petites conversations qu'il y a entre les différents protagonistes. C'est vraiment sympa. Me soigne. Là. Bougez ! J'ai un pistolet mitrailleur. Faut que je me soigne. Quand je descends. Si j'en ai pas très envie. La mort n'attend plus. Ah, ça fait bien. Un fusil d'assaut. Un fusil à canoncier. Je ressors. Allez. Smithy m'a dit avoir vu une sorte de masse organique près de votre position. Masse organique. Un nid, quoi que ça puisse être. Attendez-vous à ce que les infestés le défendent de leur vie. Ouais. Bah nous on va s'atteler à le détruire. J'y vais. Là. Bombe artisanale. Je me soigne. Oh, il y a un truc sur le mur, non? Lisez les mitrailleurs. Regardez. Ah, oh, dégueulasse. Ouais, ils ont tous. Ah, il y en a deux qui ont des fusils à pompe, c'est pour ça que je. Putain, ça. Ça déboîte. C'est bien. Un fusil de précision. Oh, mais c'est ça. Besoin de couverture, je recharge. Boomer. Là. Ils vont revenir. Dégage le passage. Putain, mais où est-ce que c'est? Ils ont l'œil, hein, quand même. Hein. J'entre dans le bâtiment. Je dois pas avoir d'outils. Vous voyez ça? J'ai un canoncier. Un cocktail Molotov. C'est une échantillon. On peut pas passer. Je prends ça. Oh merde. Mais quel con. Par ici. Faut que je me mette contre un mur. Ça m'a chauffé. Piqueuse là. Ah, merde.
Je l'ai eu. Bon, eh ben j'ai fait mon sport pour la journée. Ça s'est calmé. C'est ce qu'il fallait. Une machette. Je le sens mal. Je crois qu'il n'y en a pas un qui me saute dessus. T'auras besoin de ça. J'ai des munitions. Une mitraillette par ici. Attention, allons-y à bon. Quelle vacances. C'était bien quand c'est dit. C'était quoi ces trucs? On aurait dit que Dieu avait voulu faire des saucisses mais qu'il avait oublié la peau. Oh putain. Je fonce. Porte mon chemin. Oh, y'en a un autre. Oh, y'en a un autre. Et je tue ça le part. Fallait. Je dis pas non si on me fait déjà. Par là. Oh but. Toc toc toc. Auriez-vous l'obligation on a réussi. De fermer la porte? Ah. À la tête hein. Mission réussie. Cloche de l'enfer. Attention à ce qui vous attend dans le brouillard. On aura peut-être de la lumière, mais il verra pas mieux. Terminer le niveau dans les temps imparti. D'accord, il y a un. Il dispend combien de temps? Infesté, trottinant, féroce. Ouais, c'est ceux qui ont plus de vie.
Ouais, 15 minutes. Ne dérangez pas mon Ben. Il dort. Il ne fait pas encore de sa grippe. Ils nous ont dit que ça s'arrangerait tout seul, mais on devrait quand même aller à l'installation. Désolé, je peux pas écouter ton histoire qui a l'air très intéressante, mais j'ai un timer. Hein. Gros embouteillages dans les derniers jours de l'effondrement. Sans déconner. Mais vous êtes malin. Je sais que vous arriverez à couper un passage. Au recours ! Entre les deux yeux. On avait un moyen de déplacer la remorque. Il faudrait un truc quand même. Je sais pas moi, une remorqueuse. Ça me fait penser, je suis tellement parti vite que j'ai pas regardé les bonus que je pouvais acheter dans la caravane. Un fusil de chasse. Un pistolet ici. Tu peux monter un peu là. Attention. Merde. Ah putain. Ah, super. Dis-moi les enfants. De nombreux rapports étranges à propos de la zone vers laquelle vous vous dirigez. Par là, foutez le camp. Une traceuse. Mon sac commence à ressembler à chez mamie. C'est des chars en moins. On est bon. Chant. Ouais, ok, il est censé y avoir des mots, c'est pas grave. J'ai manche. Vous savez ce qui me manque. Dis-nous tout, chaton. Traîner en pyjama avec mes frères. Dis-nous tout, manger chaton. Des céréales et à regarder des dessins animés le samedi. C'était plus simple avant, gamin. On a toujours voulu faire partie d'une équipe. Vous savez, combattre les méchants, démasquer des monstres et résoudre des mystères. Sauf que maintenant, les monstres sont réels. Et il y a bien plus de flingues et de violence que ce que j'aurais jamais imaginé. Le seul mystère, c'est de savoir si on va survivre jusqu'au lendemain. C'est vite devenu déprimant. Gardez l'œil ouvert et tendez l'oreille. La qualité de l'air s'est améliorée depuis le dernier effondrement. Besoin de couverture, recharge. Hé, hey, dites, je suis pas vraiment du genre nerveux, mais là, j'ai carrément la chair de poule. Tu veux dire la chair de poule? Abandonné plus loin. Il était occupé par un groupe de cinglés. Ils sont partis, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas laissé une surprise ou deux. L'abri tombe en ruine. Alors vous devrez bien le sécuriser avant de vous pioter. Ouh,
risque pas de revenir. Rechargez. Les arrières sont pas toujours bien assurées. Arrête de gigoter. Merci, trésor. C'est pas par plaisir que je fais ça. On dirait qu'on n'est plus dans le Kansas, ni même en Pennsylvanie. Et j'aimerais vraiment pas y être non plus. Attends. C'est quoi ça? Holly, attention, on va te sauver. Allez. Il a beaucoup de vie, ce bâtard. Putain, il est passé. Ressort. Ah. C'est notre abri, je crois. Je prends ça. Bravo. Oh le bâtard. C'est Médoc. La pistolet. Je suis négatif. Je l'aime pas celui-là. Fusil de précision. Munition, ici. Il faut avancer, hein, les enfants. Oh putain. Tu dois s'agrandouiller là. Je suis déçu là, ils sont naturels. Dégage le patin. Ouais, le boomer à la hache et le pire des dents. Pour t'aider. Merci, c'est quoi ça? Mes braves. Je sais que je peux compter sur toi. Merci maman. Deux secondes. Je dois me soigner. Oh. Mais tiens, on est mieux. Dans l'église, on va pouvoir s'y abriter. La dernière année.
Et ben dans les temps. Troisième partie, l'abandon. Ah, avec la fameuse traversée ici. Je sais pas si c'est toujours aussi mal calibré, mais ça peut être un moment où on peut crever. Hein. Cafter. Le babillage insensé des mouchards s'entend constamment ici travailler ensemble pour éviter d'être opéré. Mutant boss, battez le boss et terminez le niveau de nettoyeur, d'accord. Concassage en armure. Mourir pour concassage et la pire des choses, attaquer le concasseur pour libérer vos coéquipiers. Premier. Bonus. Ça, c'est des bonus génériques. After. Bon, cette fois-ci, on va pas se barrer en loose dé, de toute façon, les pièces sont pas. Il y a des trucs chouettes, alors après, souvent, ce qui est dommage, c'est qu'on. En espérant que je suis pas obligé de le troquer. Ils nous attendent. On y va. Let's go les enfants. Entre les deux cieux. Je recharge. Tout casseur. Il n'y a pas grand chose qui court encore après avoir perdu la terre. Sauf à poulet, bien sûr. Rien n'est jamais simple. Ah, ça. Il y a un truc qui cloche. Oh merde! Qui veut rentrer? Moi je veux pas. Oh bordel! Allez, alors. Tiens, commandez un héros, je dois recharger! Maman! Qu'est-ce que c'est, saloperie? Mec, sortez-moi! Tu veux vous abuser ou quoi? Bon, vous y allez, la fourrure. C'est un gros furet. Hein. Ah, on l'a. Est-ce qu'il a pas aimé ce que je lui ai envoyé? Allez, on s'active! Je peux être tranquille le temps d'ouvrir ma caisse. Appui d'assaut. Alors, j'adore ma hache, mais putain, j'ai du bon ça. Il y a des amateurs de gros matos. J'avoue, là. On a de la compagnie. Les pièces rouges qu'il y avait dessus et le fait que ce soit. Par là. Ouais, non, là, je suis amoureux, là. Ah, mais j'aime vite. Ils sont un peu trop amicaux aujourd'hui. C'est con parce que j'adorais la hache. C'est un peu frustrant de pas. Avoir une arme de poing, une arme sur. Oups! Une arme de poing, une arme au corps à corps, et puis deux armes de. Deux armes d'assaut, type un fusil à pompe et un truc pour tirer un peu plus de loin. Je déteste choisir moi, dans les jeux. En tout cas. C'est efficace. Ah merde, il y avait des oiseaux. Bon, Fred, arrête de tirer dans les oiseaux, les bagnoles, tout ça. Au mauvais endroit et au mauvais moment.
a signalé un grand nombre d'infestés dans la zone. Ça concorde avec l'hypothèse que les mines seraient une sorte de repère. Recharge ! Attention ! Une piqueuse ! C'est peut-être la merde, mais au moins, j'ai la chance de traîner avec vous. On pourrait mourir à n'importe quel moment. La cible est à terre. Sans réfléchir. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai l'impression d'être au bain des bois. Mais entre nous, je garde la bonne canne. J'y vais. Rien de grave. Trouvez les nodules. Détruisez les points faibles. La prochaine fois, pense-y avant de partir. Tiens, des munitions ! Tac, tac, tac. Mais ce moment, il y a plus de monde qui nous sautait dessus. Allons-y ! C'est quoi ça? C'est mortel, mais ça fait. Y'a un truc là-bas. Il faut une habitation ou quoi? Sur cette porte d'enfoiré! Gaffe où vous marchez! Ah non, je m'en fous! Couvrez-moi, je recharge! C'est quoi ça? Un pistolet! Je prends ça. Je me soigne. Bon, pas question que je m'approche de ça. À laquelle ça part. Arcanon. Tu vas voir un peu quand j'aurai fini de recharger ce flingue. Oh, je m'attendais pas à ça en pleurant ce matin. C'est ce qu'il fallait. Ça.
C'est bon ? Alors, tout attends, le monde va bien ? Continuer, terminer. Donc c'est là, est-ce que je run comme un taré ? Prends garde ! On y va ! Ouvrez l'œil, si vous voulez vivre. On le dégomme ! Ça va chauffer ! T'as qu'à faire attention où tu vas. Je recharge. Ah, il est où ? Un fusil de chasse. Putain, j'adorerais pouvoir le prendre. Juste pour le... Un géant ! Pour le tester. Hé ! Garde ce tir ! Pour viser la tête ! Tes rechargements, c'est impressionnant. Casse-toi ! En fait, il est bloqué notre petit camp, j'ai l'impression. Ça va faire mal ! C'est ce qu'il fallait. Toujours bloqué notre camp. S'il arrive à suivre. J'ai un cocktail Molotov. Jolie patte. Par là. C'est bon, ça l'a débloqué. J'y vais. Je dois recharger. Rappelez-moi, c'était un ordre ou on était volontaire? Et dans le deuxième cas, qu'est-ce qui vous a pris? Bon. Il arrive. Reste-t-on prudent. Merde. Oh la tête ! Ah, je vais choper. J'entre dans le bâtiment. Je prends ça. Un fusil d'assaut ici. 4. Thank you.
Vous m'aurez pas tout. Je survivrai. Prends ça. Attention, très concasseur. Attention, les hommes ont des munitions en plus. Je prends. Des munitions ici. Putain, les armes qu'ils proposent commencent à être sacrément intéressantes. Besoin de couverture, attention, piqueuse. Tu vas exploser, lui. On avance. Prends ça. Il y en a qui traînent là. On aura besoin des munitions. Besoin de couverture, je ressors. Comment ça va être la merde, putain. Ça va aller. Putain. Dans ces moments-là, on commence à se dire que ça sent la merde. Hé, hey, j'ai une cible sur le cul ou quoi? Bah, s'ils ont fini, moi aussi. Munition. Putain, mais par contre, ils peuvent faire que ça s'arrête deux secondes. Là, le truc, c'est... Je vais recharger. Ouais, il faut qu'on avance, les enfants. Tiens, prends ça. Fusil d'assaut. Faites garde. Ouais. Un concasseur par ici. Je lui tire dans la tête. Et peut-être une fois ou deux francs pour la porte. Juste pour ça. Trouvez des munitions. Couvrez-moi. Je vais être à sec. Recharge. Munitions de pas être faire mort. Laissez-moi. Oui, dégueulasse que pour les vermes. Je vais être à sec. On couvre. Eh ben la vache, quel bazar. Merci. Je prends ça. On allume. Par ici. Tiens, comme ça on oublie que j'ai zappé ton anniversaire. Je dirais qu'on a passé le cap de l'emmerdement infini. Bon, il y a là. Où est. Continue comme ça. Putain, on est enfin arrivé. Oh là là, le souffle. Un coup casseur. On est vivants. Ouais. On est encore vivant. Tendu, hein. Le bruit du tonnerre. Alors, détruisez la mine pour bloquer l'accès des infestés. Partout des coureurs. Clairement, il va nous falloir de la ville. Aux dernières nouvelles, Pélissaro avait préparé le canon. Maintenant, c'est à vous de finir le boulot. Et pensez à rapporter mon véhicule. On ne peut pas se permettre de perdre plus de ressources.
terminé. Bon, on paraît affronter l'enfer. On bouge. Ils ont eu la bonne idée. Il faut juste qu'on finisse le boulot. Un fusil d'assaut. Là. On aura tout le temps de pleurer quand on sera parti. Faisons sauter cette mine. C'est ce qu'il me fallait. Allez occuper. Par là. Des pansements. Une poursuiveuse. Une mitraillette. Va charger. Bien protéger les petits. Eh, on dirait bien qu'on terminé tracteur. Hein. Et j'ai pas tué grand monde, hein. Allez, on va s'arrêter là. Lors du prochain épisode, on s'attaquera à l'acte 2, à paix aux armes, suite au prochain épisode.